On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo scraper sa liste au Père Noël. Et cette année je voulais changer un petit peu. Voilà, je vous remettrai les deux vidéos que j'avais fait l'année dernière et l'année d'avant dans le petit pour que vous voyez. Mais l'année dernière et l'année d'avant j'avais fait vraiment des pages de scrap basiques. Et là je voulais changer un petit peu, je voulais faire sous forme de page de scrap mes cartes. Vous verrez que ça peut être aussi une astuce. Donc voilà. Et moi je voulais changer vraiment cette année. Vous savez, bon c'est 2020, hein. De base c'est l'année du changement. Mais là le changement on l'a bien eu je pense. Mais on va pas faire aussi critique que ça. Mais voilà. Donc du coup on va travailler avec du action comme un peu de d'habitude quoi. Voilà, ça ne change pas, on ne change pas les bonnes habitudes. Du coup, un Deluxe Paper Block de cette année. Mon fond se décolle, parce que ça va pas le faire. Deux pages, voilà, de scrap. Alors, c'est pas les mêmes verres, mais c'est pas grave. Votre liste de cadeaux, voilà. Moi, je l'ai imprimée pour pouvoir la mettre en tout petit dessus. Mais si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez la réécrire. Donc voilà, après bien sûr de la colle, ce genre de choses et etc. Enfin voilà, voilà, tout est relatif. Aussi j'ai fait brûler cette bougie là, je sais pas si vous avez fait un haul ou pas, dans mon vlog, je sais pas si vous voyez le vlog avant ou après cette vidéo, vous la voyez après je crois. Mais j'ai fait brûler cette bougie, je m'attendais vraiment à une senteur de Noël, et non, c'est juste senteur vanille, mais bon, c'est toujours mieux que rien, mais je m'attendais quand même à une senteur Noël, du coup j'étais un peu déçue, mais bref, nous allons passer. Donc sur ce, je vais vous laisser avec le tuto. Voilà, et moi bah, je vous retrouve du coup à la fin de la vidéo.
Voilà pour cette vidéo, j'ai terminé. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de déco, mais moi j'avais envie que ça reste assez épuré. Aussi j'ai pas vu, mais pendant que je filmais, vous vous êtes mis de travers. Bref, je vous ai remis, mais voilà. Donc voilà une astuce pour quand vous avez aussi des décos de... Quand vous avez des pages rentrantes et il y a une grosse déco comme ça au milieu et vous pouvez rien faire avec, bah vous pouvez faire des grandes cartes, enfin voilà, ou même les transformer à votre sauce, faire des grands posters, moi je trouve que c'est assez joli. Bon là c'est sur Noël, mais voilà. Ou vous pouvez bah aussi découper indépendamment toutes les tous les trucs qui sont dessus, c'est-à-dire le bonnet on peut le découper, les fleurs, voilà, les fleurs et même les feuilles on peut les découper, le titre aussi, donc voilà. Ça reste tout de même très facilement modulable. Après c'est vrai que tout de suite quand on voit ce genre de choses, on n'est pas forcément inspiré quoi. Donc voilà. J'ai un petit peu bugué. Oui, du coup, moi, bah en fait, j'ai rajouté la page de derrière. Étant donné que, voilà, à l'intérieur, je voulais vraiment que ce soit blanc. Voilà, j'avais envie que ce soit blanc. Très, très épuré, hein, mais voilà, vous pouvez rajouter plus de déco si vous le voulez. Voilà, ça, je vous empêche pas, mais moi, c'est juste que j'avais envie que ce soit hyper épuré. Voilà, qu'on se concentre vraiment sur... les bah, la liste et tout, donc voilà. Enfin bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pourquoi je bug comme ça? Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.